nous allons passer à la section internationale, nous dirons. Donc la section internationale, je vais appeler les membres du jury qui sont Maria Akrivoulis, vice-président d'honneur du jury, ainsi que Madame Naila Mekataf. Donc je vais d'abord présenter Madame Akrivoulis. Donc l'année dernière, nous avions comme lauréate une personnalité exceptionnelle comme tous les ans, Rosana Montiel, qui nous avait séduit par ses projets en lien avec les quartiers, avec de l'insertion urbaine et en même temps un travail sur les populations, qui était vraiment exceptionnel. Et cette année, donc, nous avons notre amie, je ne sais pas si j'ai une slide sur... Donc voilà, nous avons Maria Akrivoulis qui nous vient d'Italie. Donc l'Italie qui est assez présente aujourd'hui, comme vous avez pu le sentir, par hasard, hein, puisque notre amie précédente est en fait vit en France et est française, mais d'origine italienne. Donc là, nous avons la passe-présidente de l'Association internationale des ingénieurs et architectes italiens. Mais en même temps, elle a un nom grec et en même temps, elle vit à Rome. Donc quelques mots. Some words. Faites à vous. On va vous applaudir. Allora, grazie. Allora, io parlerò in italiano, ma per fortuna mi traduce. Io rappresento appunto l'Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti. Abbiamo lavorato durante la mia presidenza l'anno scorso proprio sui rapporti internazionali di queste associazioni. Se vuoi tradurre... traduce lei, ok. Bon, non, mais... elle représente l'Association des femmes architectes italiennes. Ils ont un cours sur... sui rapporti europei di queste associazioni. Sur l'aspect européen de... Je crois que tu vas être meilleur que moi. Là, il corso sur l'architecture. Ok. Quindi, diciamo, l'importanza di fare rete anche a livello europeo è importante per le donne architetto. Perché questo comporta che sempre di più il riconoscimento del nostro ruolo diventi importante anche in quei posti dirigenziali. Bon, en valorisant les femmes architectes, c'est les remettre dans la situation d'être connues, d'être valorisées, et c'est ce à quoi œuvre son association, au niveau international également. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec les Italiennes, puisque nous avions Madame Fagotto, nous avions aussi Claudia Battonio de Rome. Donc on a toujours eu un souci d'ouvrir le jury à l'international. Et nous avons aussi notre amie Naila Mekataf, cofondatrice de Chrome Studio, membre du comité de la section internationale de la SIA, Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes. Quelques mots, Naila. Merci Catherine. Donc effectivement, j'ai un petit peu la casquette internationale aujourd'hui, puisque je suis... franco-suisse, on va dire. J'exerce en France, mais j'ai également j'ai fait mes études en Suisse et je suis membre de l'Ordre des architectes suisses, qui est donc la Société des ingénieurs et des architectes suisses. Alors, on va parler du prix international, là, aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de candidatures, des femmes très talentueuses, d'ailleurs, mais il n'y avait pas une seule Suisse. Pourtant, il y a beaucoup de talents suisses. Donc, on va œuvrer aussi pour que, désormais, les femmes architectes suisses aient accès à ce prix. Alors, Et c'est pas faute d'inviter les Suisses, puisque nous avons eu deux membres suisses dans le jury intérieurement. Nous avons connu pas mal de Suisses qui sont venus au prix. Donc, elles ont même voulu, à une époque, copier notre prix. Donc, la Suisse, effectivement, est très intéressée par l'idée de mettre en avant les femmes architectes. Tout à fait. On va le faire, là, avec désormais, pour communiquer. Alors... Donc, on a une question, mais qui donc a le prix et qui va ouvrir l'enveloppe? C'est Maria. Maria, please. Okay. So. Allora. La donna vincitrice del premio per la categoria menzione internazionale è Antonella Mari.
Donc effectivement, c'est complètement un hasard que la présidente du jury soit italienne et que nous avions choisi une italienne, hein, n'est-ce pas, Naila? C'est bien par la qualité des projets que nous avons été séduits. So, qui connaît son CV et qui va parler? Naila? La motivazione. La motivazione. Allora, la giuria, visti gli esiti delle valutazioni, ha deciso di assegnare la menzione speciale nella categoria internazionale ad Antonella Mari per essersi distinta nel contesto professionale italiano con opere che esaltano il rapporto con l'ambiente naturale costruito, valorizzando il contesto urbano e storico e mettendo in risalto il paesaggio. Vado avanti. Alors, je le dis en français, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'italien. Au vu des résultats des évaluations, le jury a décidé d'attribuer la mention spéciale dans la catégorie Prix international Femme architecte 2023 à Antonella Mari pour s'être distinguée dans le contexte professionnel italien avec des travaux qui renforcent la relation avec l'environnement naturel et construit en valorisant le contexte urbain historique et en mettant en valeur le paysage. Particolare merito è stato dato alle opere realizzate in Puglia come il Museo Pino Pascali, Casa Petrini Villani, Tree House e il complesso rurale in cui la valorizzazione del paesaggio e dell'architettura storica diviene lo scenario in cui l'architetta, con gesti misurati e rispettosi del contesto, riesce a generare spazi poetici e vivibili. Donc les travaux réalisés en Puglia, tels que le musée Pino Pascali, la maison Petrini Villani, la Tree House et le complesso rurale, ont eu un mérite particulier. En effet, la mise en valeur du paysage et de l'architecture rurale devient le cadre dans lequel l'architecte, avec des gestes mesurés et respectueux du contexte, réussit à générer des espaces poétiques et habitables. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. La bio, in italiano. In italiano. E tu comprends, hein? Ok, ok. On va faire, on va avoir une présentation de la biographie de notre amie Marie Antonella. Antonella Mari, laureata presso l'Università di Architettura La Sapienza di Roma nel 94 con lode e pubblicazione accademica della tesi. Dopo l'abilitazione all'esercizio della professione ha conseguito il post professional degree Master of Science in Advanced Architectural Design alla Columbia University di New York, seguendo tra gli altri i corsi di Kenneth Frampton e Stephen Hall. Nel 2001 ha vinto il premio dell'Accademia Americana in Roma, dove ha trascorso un anno come artista residente. Oltre ad alcuni articoli apparsi su libri e riviste di settore, ha pubblicato una monografia sull'opera di Stephen Hall, ha svolto attività didattica come docente di progettazione architettonica nel master di secondo livello presso lo UAV di Venezia e nel master di architettura digitale presso l'INARC di Roma. È cofondatrice dell'associazione New Italian Blood dal 2014 e docente del master NIB architettura ambiente di Salerno. I suoi progetti sono stati pubblicati su libri e riviste di settore ed esposti in Italia e all'estero. Attualmente si sta occupando del progetto di una velostazione per il comune di Polignano al Mare, di un piano urbanistico esecutivo in area paesaggistica del progetto di rimozione delle barriere fisiche e cognitive all'interno degli spazi della Fondazione Pino Pascali del Museo Arte Contemporanea. Sono inoltre in fase di progetto e di realizzazione alcuni edifici residenziali di nuova costruzione e strutture ricettive, residenze private ed interni. Recentemente è stata inclusa nella mostra Architettura e Donna organizzata dall'Ordine degli Architetti di Massa Carrara insieme ad alcune tra le figure femminili più interessanti nel campo dell'architettura contemporanea. La caratteristica prevalente nei suoi lavori
è l'attenzione per gli aspetti percettivi e fenomenologici dello spazio costruito, con un particolare riguardo al contesto e all'inserimento nell'ambiente. L'interesse per le geometrie generative e per il form finding spinge la ricerca verso nuovi esiti formali e di linguaggio, senza tuttavia tradire i presupposti programmatici e funzionali e i valori essenziali del costruire. Je vais essayer de vous la faire un petit peu plus courte. Alors, après avoir obtenu son diplôme à l'Université d'architecture La Sapienza de Rome en 1994 avec mention et publication académique de sa thèse, Antonella a obtenu un diplôme post-professionnel de Master of Science in Advanced Architectural Design à Columbia University à New York, en suivant les cours de Kenneth Frampton et de Stephen Hall, entre autres. En 2001, elle a obtenu la bourse Fulbright Fellowship in Fine Arts à l'Académie américaine de Rome, où elle a passé un an en tant qu'artiste résidente. Outre plusieurs articles dans des livres et des magazines, elle a publié une monographie sur l'œuvre de Stephen Hall. Et elle a enseigné la conception architecturale dans le cadre du master de deuxième niveau Touch Fair Architecture à Venise. Cofondatrice de l'association New Italian Blood, elle est depuis 2014 chargée de cours et enseignante au Master NIB en Architectura Ambiente à Salerne. Ses projets ont été publiés dans des livres et des magazines et exposés en Italie et à l'étranger. Elle a participé à de nombreux concours avec des projets souvent sélectionnés et récompensés, notamment le nouveau musée d'art contemporain de Castelmola. Ces dernières années, elle a participé à des projets de réhabilitation et de construction, résidences, établissements touristiques, espaces d'exposition, stands de foire, projets de régénération urbaine. Elle travaille actuellement sur la conception d'une vélostation pour la municipalité de Polignano a Mare, sur un plan d'urbanisme exécutif dans une zone soumise à des contraintes paysagères et sur le projet de suppression des barrières physiques et cognitives dans les espaces de la Fondazione Pino Pascali. Un certain nombre de nouveaux bâtiments résidentiels, de logements, de résidences privées et intérieures sont également en cours de conception et de construction. Elle a récemment participé à l'exposition Architettura e Donne, organisée par l'OAPPC de Massa Carrara, aux côtés de quelques-unes des figures féminines les plus intéressantes dans le domaine de l'architecture moderne et contemporaine au niveau international. La caractéristique dominante des œuvres réalisées et conçues est l'attention portée aux aspects perceptifs et phénoménologiques de l'espace construit, avec une attention particulière au contexte, à l'insertion durable dans l'environnement. L'intérêt pour les géométries génératives et la recherche de formes conduit la recherche vers de nouveaux résultats et langages formels, sans toutefois trahir les hypothèses programmatiques et fonctionnelles et les valeurs essentielles de la construction. Grazie. Parlo in italiano, pur avendo ricevuto un premio internazionale, è più facile, penso. Ringrazio intanto l'ARLA, questa associazione che ci sostiene tantissimo. Sono molto molto fortunate le donne francesi, le architette francesi, che hanno in effetti questa solidarietà alle spalle. Così come l'idea in Italia, insomma, grazie a Dio, pur essendo forse ancora una cittadinanza a parte, diciamo, abbiamo il sostegno che ci serve, perché insomma l'architettura non ha genere, quindi dovrebbe essere aperta a tutti, dovremmo superare un po' di barriere. Quindi grazie tantissimo. Vuoi tradurre quello che ho detto? No. Ok. Quindi presento questi progetti che sono progetti, diciamo, locali ad una scala non troppo grande, dove l'intenzione è stata quella di lavorare sui fondamenti dell'architettura, quindi la luce, lo spazio, appunto il discorso fenomenologico prima ancora che un discorso funzionale, quindi portare l'architettura anche ad un livello, diciamo, quasi di trascendenza, no? Che ci possa pensare
ci possa portare a pensare veramente, a sentire lo spazio in cui viviamo, ad agire anche, a confrontarci insomma con l'ambiente nella maniera in cui l'architettura da sempre si è confrontata, pur avendo poi onestamente, insomma, come è già stato detto, un interesse anche per le nuove tecnologie e per dunque le commissioni tra ciò che avviene a livello internazionale e ciò che avviene a livello locale. E presenterò questi 5 progetti. Questo è Casa Petrini a Polignano a Mare, è un piccolo centro in provincia di Bari, quindi in Puglia, nel sud dell'Italia, e questa è una casa che è stata realizzata per un piccolo nucleo familiare, con il recupero della parte basamentale che era preesistente e invece l'evidenza, diciamo, della parte in sopraelevazione, quindi in aggiunta, con materiali completamente estranei rispetto al contesto. E, la parte superiore è costituita da una doppia pelle, quindi una vetrata interna e poi una seconda pelle esterna, realizzata con tasselli, piastrelline di legno su frame in acciaio, completamente riconfigurabile. E all'interno c'era l'interesse, insomma l'intenzione di ottenere degli effetti di luce che sono poi stati riportati anche sui dettagli, diciamo, costruttivi degli elementi architettonici. Alors, en introduction, en fait, ce que Antonella voulait dire, c'est qu'elle travaille beaucoup sur les matériaux, sur la lumière, sur l'environnement. On va le voir à travers ce premier projet donc, de la Casa Petrini. C'est une maison pour un psychologue, une infirmière et leur petite fille qui était conçue comme l'extension d'un bâtiment existant de plein pied dans le centre historique de Polignano a Mare. Donc, l'ancienne façade en tuf reste pratiquement inchangée. Je ne sais pas mettre l'image. Le nouveau volume au-dessus est clairement défini par l'utilisation de matériaux plus légers. Un système de double peau composé de grandes fenêtres en verre et aluminium protégées par des panneaux rétractables en acier et en bois permet à la lumière naturelle d'entrer tout en évitant le réchauffement. Enfin, les 4000 carreaux de bois mobile créent une façade reconfigurable et génèrent des effets d'ombre toujours changeants à l'intérieur. Le projet vise à ouvrir un dialogue entre un contexte ancien et un langage contemporain, tout en mettant l'accent sur l'importance de la perception et des aspects phénoménologiques dans l'espace bâti. Les idées opposées de la ruine et de l'inachevé sont exprimées dans le projet comme un lien entre le passé et l'avenir. Questa è un'altra abitazione realizzata ex novo, diciamo, in un vuoto urbano, e la caratteristica qui era che il lotto era molto molto allungato, 14 metri per soli 6 metri di facciata, quindi presenta una doppia facciata e quindi in questo lotto allungato era necessario riuscire a portare la luce anche nel cuore dell'abitazione all'interno. Quindi ho proceduto con un lavoro di scavo, anche riferendomi un po' al lavoro di scavo che il mare nel luogo, insomma, dove questa casa è ubicata, opera sulle rocce. E quindi appunto le due facciate, diciamo quasi gemelle, sono state trattate in questa maniera, e in più si è cercato anche di orientare, di fare un lavoro sul volume in modo da captare la migliore luce e anche orientare le viste verso il mare. Questi sono gli interni. Anche in questo caso all'interno si è usata, diciamo, la stessa tecnica di svuotamento, di alleggerimento della materia attraverso questa tecnica di scavo anche sugli elementi architettonici che poi costituiscono gli elementi appunto di collegamento verticale, quali le scale realizzate in corten, tutto quanto poi operato con tecnologie adesso anche abbastanza usate di controllo numerico su disegno al computer. Donc ce projet consiste en la construction d'une maison privée sur 3 niveaux, sur une surface de 6,50 m par 14 m, puisque la forme allongée de la parcelle a rendu nécessaire l'apport de la lumière naturelle au centre du bâtiment. Pour ce faire, donc, l'ensemble du volume a été excavé, percé verticalement et horizontalement, afin de créer des vides qui permettent à la lumière de pénétrer depuis le haut et depuis les deux façades.
et afin de contrôler l'irradiation solaire, les volumes des loggias ont été inclinés et orientés de manière appropriée. Alors on voit ici l'intérieur, donc avec la balustrade en corten. Ok. Questo progetto invece è in, sempre in un centro rurale, diciamo, Martina Franca in Puglia, sempre sud Italia, e consiste nel recupero di una tipologia tipica che è quella del trullo, che è costituita da, da tipici coni, ed è una tipologia insomma anche molto valorizzata al momento per le qualità di ecocompatibilità e sostenibilità. E in questo caso si trattava di recuperare un complesso rurale abbandonato e quindi di fare una sorta di lavoro di restauro del, del contesto, recuperando anche un approccio, un rapporto insomma con il paesaggio. E in questo caso ho provveduto insomma a valorizzare il trullo al centro di questo complesso e a mettere invece in relazione i due volumi esistenti attraverso una promenade architecturale, una passeggiata che consente in realtà, collegando appunto quei due volumi esistenti, di ricreare un discorso di ambito, di contesto, di viste sul paesaggio, di scorci, di valorizzare insomma proprio il rapporto tra gli edifici insomma già esistenti e ampliati ed il paesaggio stesso. Donc là, on est dans le paysage apulien de la Murgia dei Trulli, dans un contexte protégé par des contraintes historiques et environnementales, un complexe rural composé à l'origine de trois bâtiments distincts, construits à des époques différentes, qui a été restauré. Le projet s'est développé autour du renforcement de la centralité du noyau conique par rapport aux deux volumes secondaires qui prévalent en termes de taille. Outre la rénovation de l'ancienne maison Trullo, une force expressive a été donnée en reliant les autres volumes en un seul bâtiment grâce à un mur double qui, en plus d'accueillir des petits espaces de service, sert de passerelle entre les deux terrasses plates. De cette manière, les espaces extérieurs définis ont été créés, développés sur plusieurs niveaux et reliés entre eux par des passages et des interstices qui encadrent le paysage. Questo è invece un lavoro di riqualificazione di un vecchio mattatoio che è stato trasformato in museo di arte contemporanea. Il lavoro qui ovviamente è consistito nel dare proprio al volume preesistente una immagine iconica che lo individuasse proprio come museo di arte contemporanea. C'è stato poi un lavoro non soltanto negli interni per renderli ovviamente fruibili, neutri e ampi abbastanza, insomma dotati di tutte le caratteristiche anche tecnologiche che potessero ospitare grandi opere, quali sono quelle di arte contemporanea, e in più il progetto ha cercato di valorizzare molto il rapporto con il mare, non soltanto a livello delle grandi sale, appunto a livello del mare, ma anche realizzando anche in questo caso una passeggiata che si vede qui, insomma, parte proprio dal livello del lungomare e conduce su al terrazzo attraverso delle rampe in acciaio che sono state realizzate all'interno di questo volume aggiunto, quindi recuperando anche in questo caso un rapporto tra il luogo per l'arte ed il paesaggio. Donc là, on se situe à quelques mètres de la mer, dans un ancien abattoir municipal qui abrite aujourd'hui la fondation musée dédiée à Pino Pascali, un artiste phare du mouvement italien Arte Povera. La structure du XIXe siècle, qui était déjà touchée par des agrandissements antérieurs, nécessitait l'achèvement et le réaménagement des espaces intérieurs et extérieurs, afin de les adapter aux exigences spécifiques d'un lieu d'art contemporain. Donc, l'emplacement du bâtiment a suggéré un projet fortement axé sur la relation avec le contexte, notamment par la création d'une rampe d'accès public panoramique au nouveau jardin sur le toit. L'ultimo progetto è una casa, è la mia casa, era stata realizzata per la vendita, poi l'ho invece conservata per me. E quello infatti lì sotto il mio studio.
e consiste praticamente nel recupero, anche in questo caso, di un volume al piano terra esistente voltato e poi la demolizione invece dei piani superiori che erano molto bui e quindi non consentivano, diciamo, un vivere contemporaneo. E al di sopra quindi del volume che attualmente contiene il mio studio ho realizzato ulteriori livelli con degli spazi all'interno completamente vuoti a doppia altezza, un volume centrale sospeso al soffitto con un sistema di scale che consente poi insomma di avere al piano superiore anche in quel caso un rapporto con il verde, avendo un patio centrale posizionato proprio al di sopra di quel prospetto di quel volume. Il gioco della facciata è derivato insomma dal desiderio di riprendere come dire, di ridare un po' l'impressione di vivere in un contesto naturale, avendo di fronte in realtà una facciata completamente anonima ad una distanza veramente minima. Quindi, insomma, con questo gioco di frame dalla forma organica libera, in realtà poi all'interno si proiettano delle ombre che danno davvero la sensazione un po' appunto fenomenologica di trovarsi in un contesto naturale. Donc vous l'avez compris, c'est la maison d'Antonella, sa propre maison. La lumière naturelle était le principal enjeu de ce projet pour la maison de 130 mètres carrés qui se situe donc dans le centre urbain de Polignano a Mare. Les ombres projetées par les lumières du soleil sur les murs et les sols intérieurs blancs donnent l'impression d'être dans un contexte naturel. La maison donc remplace partiellement un bâtiment existant, dont le volume voûté du rez-de-chaussée a été conservé comme un soubassement pour les nouveaux espaces insérés dans les murs périmétriques en tuffo existants. Le premier étage est occupé par l'espace de vie, le deuxième par deux chambres, tandis que le niveau supérieur accueille une petite terrasse, une cuisine et un patio ouvert. Les pièces privées et le service sont dissimulés dans un grand volume qui fluctue dans l'espace à double hauteur du salon et suspendu à la toiture. L'entrée de la lumière naturelle à l'arrière de la maison est permise par un système de rampe de distribution vitrée à travers le vide. Merci. Bravo à vous. Pour la première fois, nous avons l'Italie qui a un prix. On a eu deux fois l'Espagne, une fois le Mexique, une fois l'Angleterre, deux fois la Hollande. Et là, pour la première fois, nous avons une mention italienne. Bravo, je suis très contente. C'est très beau. On ira visiter vos projets. On ira visiter à Paris ces projets. Bravo à vous.